Bien Arneuf ainsi que Eric Palude, le trio, alors attention, Lionel Chouin, l'intérieur, David Guégan, également l'intérieur. Pour l'autre série. Ça va être David Guégan. Ça va être David Guégan, Lionel Chouin en troisième position. Que ça va klaxonner tout ça parce que Yannick Deviller est en train de revenir. La version numéro 123, elle fait partie également des leaders de cette journée. Ouais, un petit peu enfermé. Le retour également est là avec la version numéro 187. Ronald hein, toujours constant, là, le retour que l'on. On croise de mieux en mieux sur les Tsunan A. Pour l'instant, David Guégan résiste. Il prend même une belle option de quelques longueurs sur ses adversaires directs. Yannick Deviller après deux places de mieux. Yannick Deviller avec la voiture numéro 123 enfermé dans le départ. Celui qui prétend également sur le classement général. Il est à la bagarre avec Lionel Chouin et de la 4e à la 5e place. Le Breton qui est juste devant lui. Et on se ne laisse pas compter également pour Régis Le Cam qui fait. Ah, malheureusement, Régis avait bien piloté jusqu'alors. Mais c'est la sortie du virage 2 là qui fait une énorme faute et laisse passer tout le monde à l'intérieur. Et Yannick Deviller, regardez bien la voiture numéro 123 parce qu'elle était pointée à la 6e place. J'ai bien dit à la 6e place du premier passage, sous la direction de course. Et quel retour fait-il? Quel retour? Quel ramasse fait-il de ses adversaires? Le pilote 123, là aussi, c'est à cocher dans votre programme pour la victoire sur les 1600 cm3 sur l'étape d'aujourd'hui, mais également sur le classement général. David Guégan va assurer. Il va lui rester quelques hectomètres à franchir. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le dernier tour pour les pilotes. Lionel Chouin est toujours en 4e position. Il sera bien trop chez lui également sur ses terres dans 15 jours. En troisième position. Et puis Lodan également faisait partie de cette série des 1600 cm3. Et David Guégan vient prendre le drapeau d'Amier tranquille dans cette troisième et dernière manche. Yannick Deviller, voilà la démonstration qu'il a fait. Une chance d'être pour Non, ce sera Monsieur Le Breton pour signer la troisième place devant Lionel Chouin, la voiture numéro